Voilà, Covid génial. Arrivée du Zimbabwe en Australie avec ses parents, alors qu'elle n'avait que 5 ans, Takudzwa Victoria Rosa Maidza, TK Maidza pour ses fans, se rêvait architecte avant que la mouche du rap ne la pique. Aujourd'hui, 3 ans après avoir signé son premier tube, Brontosaurus, elle débarque avec un disque éponyme qui lui vaut illico une étiquette de nouvelle Mia qui la hérisse. C'est que l'Australienne âgée de 20 ans n'a qu'une idée en tête, envoyer balader les catégories musicales mélangeant sans complexe pop, rap ou électro. Pour Trax, avant son concert parisien au Badaboom, TK plonge dans la malle au trésor de vinyle à la recherche de ses souvenirs. Ce truc est vraiment cool. J'adore la pochette. Je sais pas qui c'est, mais mon deuxième prénom, c'est Victoria. Et j'ai emménagé en Australie en l'an 2000. Je viens du Zimbabwe. Donc, mon père était dans un groupe et il faisait de la musique avec ses amis. Comme je le voyais chaque semaine faire ça, d'une certaine façon, j'ai baigné là-dedans. Ma première fois sur scène, c'était pour une fête de famille. Mon père jouait de la musique du Zimbabwe pour la famille. Et il m'a invité à jouer juste pour le fun. C'était pour faire de la musique en public. C'était un peu effrayant, mais c'était cool. Parce que quand tu joues pour la famille ou pour les amis, ils sont très honnêtes. Ils m'ont dit « Ouais, t'as du talent ». Ah, je m'attendais pas à ça. Réussi. Ok. C'est la vraie chanson? Ah, c'était plus lent. Cool, mais je préférais la première version. It rings on the streets. My heart sends me beats. It rings on the streets. My heart sends me beats. Beats of blue. Beats of blue. Les images, ça a toujours été important pour moi. Quand tu fais de la musique, les images peuvent rendre ta chanson meilleure ou la rendre pire. Et si tu fais ça bien, c'est comme une pizza. Tu mélanges tout et c'est super bon. I'm just
Ça continue non-stop sur les réseaux sociaux et le site.